Jean-Luc, ouais. Tamara, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? C'est passé, le numéro l'autostart ne l'a pas spécialement avantagé parce que bon, bien qu'elle soit bien partie avec les relais, elle s'est trouvée en cinquième cran en pleine. Après la course, c'est pratiquement foutu. Hein. Donc Joss a patienté, il a décalé au moment qu'il fallait. Bon, moi, je trouve qu'elle faisait une très bonne fin de course. Bon, elle a eu quelques petits problèmes d'allure, c'est ce qui a motivé son distancement. Voilà, donc là, moi, je trouve qu'elle courait pas si mal que ça. Alors, auparavant, elle avait été arrêtée quelques temps. La jument n'était pas bien, elle n'était pas en bel état, donc on l'a laissée tranquille un petit peu. On lui a fait profiter de beaux mois de printemps. Et la course de rentrée n'était pas mauvaise. Bon, Tamara a beaucoup de gains maintenant, on n'a plus trop de marge. Donc, il ne faut pas trop se tromper, il faut avoir des bons parcours. Alors justement, pas se tromper, c'est viser les engagements et celui-là, il est bon. L'engagement est correct, tout sur le même poteau, petite piste, qui va pas la désavantager. Mais bon, c'est des bons lots, faut que tout se passe bien. Quand même ambitieux? Un petit peu, mais bon, à mon avis, pour en fin de combinaison.